Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Nous allons partir en PVP tester ce Gatai Zamasu Legendary Finish dans une team divin. Je pense partir avec ces trois là, avec Vados et VB. Pour booster tout ça, j'ai mis le Beerus Zenkai qui est de type vert et de par sa cape, Zenkai pourra du coup booster eh bien Vados. J'ai également mis le Goku SSJ Blue de par sa cape, Zenkai également va booster le VB. Et au cas où s'il y a du violet en face, j'ai mis le Vegeta SSJ Blood Zenkai de type jaune. On va regarder brièvement le Gatai Zamasu, a seulement des étoiles, il est de type Strike, il a quasiment 2 millions de points de vie au niveau de la force, il a 215 000 en Strike, c'est plutôt intéressant. Intéressant, à seulement 2 étoiles, quasiment également 200 000 en blast. En revanche, ça vient pêcher du coup au niveau de la défense strike 128 000 et défense blast 126 000 comme vous pouvez le constater. Après, en soi, heureusement que ça vient pêcher au niveau de la défense parce que de ce que j'ai pu voir, donc j'en sais rien, on va tester ensemble, ça va être notre première game avec ce Gatai Zamasu. C'est vraiment très très fort offensivement, donc heureusement qu'on baisse un petit peu la défense, parce que si en plus de ça il serait violent et il aurait de la tankiness, là franchement ça commencerait à être vraiment très très compliqué. Au niveau du main, donc on sait que c'est un perso LF, ça tire une carte d'art ultime, régène la force de 20%, donc tu vas avoir du soin en faisant ton main, c'est plutôt intéressant, et ça va également te régène le ki de 40%. Ensuite, ça augmente de 40% les dégâts ultimes pendant 30 secondes. Donc 30 secondes, c'est bien parce que c'est quand même assez long. Il a un passif intéressant au début du combat. Tu vas venir frapper du coup à 80% plus fort ton adversaire. Et au cas où, si tu te rates dans le combo, tu vas venir réduire tes dégâts de 30%, annulation impossible. Les effets suivants s'activent lorsque vous êtes KO, augmente de 30% les dégâts infligés par allié. Donc ça veut dire que quand Gatai Zamasu va mourir, tes alliés vont être boostés. Donc ça aussi c'est intéressant, en soi il a un passif vraiment très intéressant. En revanche attention, c'est à double tranchant. Tu commences au début de la game, c'est bien, tu vas taper à 80% plus fort ton adversaire. Si par contre tu te rates dans ton combo et qu'en face c'est un Zenkai de couleur bleue, il va t'arracher la tête, clairement. Même si ça réduit à 30% les dégâts subis, la défense de Gatai Zamasu, comme on a pu l'avoir, à 126 000, tu vois, c'est pas foufou. Donc ça, faut faire vraiment attention, faut vraiment bien gérer. Moi, honnêtement, je sais pas si je vais prendre le risque. Voilà, honnêtement, on verra bien durant les games, et voilà. La carte verte, elle est également intéressante. La carte verte, elle expulse l'adversaire au loin. Ça régène le ki de 40. Et du coup, augmente de 3 secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis. Annule les désavantages liés à l'affinité d'attributs pendant 3 secondes. Et tu peux combo avec tout. Strike, blast, spé, ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Voilà en gros pour, on a vraiment dégrossi un petit peu le Gatai Zamasu. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Il a également une cover strike, donc ça c'est plutôt intéressant. Quand tu vois qu'un adversaire vient pour te mettre une strike, bim, la cover, boum, hop, il encaisse la strike. Et derrière en plus tu peux combo avec une spé. Bah let's go les amis, on va voir ce que ça va donner avec la team divin. Yeah, ok, team divin en face, bah moi voilà, je vais prendre Vados, Gatai et puis bah le VB. On va voir un petit peu ce que ça va donner en espérant que ça cogne vraiment dur. Ok, donc il a mis deux bleus en face. Ok. Vados intéressante. Hein. Vados très intéressante. Hein. Je la mets parce que du coup, elle permet de soigner dans la team, etc. Donc c'est plutôt cool. Ouais, pour l'instant, on peut continuer comme ça. Let's go. Ah, j'ai pas été bon là-dessus. Ok, par contre, ça c'est bon. Ça passe à travers les blasts, donc ça c'est cool. Ok. Ok. Parfait ça. Bon, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Il me donne Savados en plus là-dessus. Ça se passe très bien, j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs. Pour l'instant, ça se passe bien. Il contre pas, c'est encore mieux. Donc là, il lui reste les deux bleus. Les deux bleus. On va voir si Gatai Zamasu contre les bleus, ça peut faire quelque chose. On va voir. Ok, la verte. Bim, allez, let's go. À contre-type, hein. Donc j'ai mis la verte en plus, tu vois. Let's go. Ok.
Ça le finit ou pas? Bon, je pense que ça va le finir. À contre-type, Gata Isamasu. Incroyable. Voilà, emballé, c'est pesé, c'est plié. Bon, bah là, je le vois arriver, donc là, on va strike. Parfait, ça. Bon, bah, c'est fini pour lui. Clairement, c'est fini pour lui, hein. C'est incroyable. Là, la game, elle a été incroyable. On est quasiment sur un perfect, hein. Il s'est fait toucher, peut-être. Bon, voilà, il a rage quit, hein, forcément. Enfin, il s'est barré. Non, mais là, la game qu'on vient de faire, elle est incroyable, hein. On est quasiment sur un perfect, hein. Je suis passé à un moment donné avec VB sur les petits koa, tout ça. Mais là, c'était vraiment intéressant ce qu'on a pu voir. Et également, le Gata Isamasu a contre-type. Une fois qu'il a fait sa verte et que j'ai déclenché le main, bah, le VB, il est parti aux fraises. Incroyable. Allez, let's go pour la prochaine game. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, ça va être un cheater, hein. Bon, j'ai pas besoin de vous la mettre, celle-là. Ok, Team Divin, bah je vais faire pareil, hein. Je vais reprendre Vados, Gata et VB en espérant que cette fois-ci ça ne lague pas. Let's go! Ok, la cover. Donc là, la Gata est en face. Parfait. Ok, une strike. Ouf! Regardez la strike de VB, hein. Il a pas aimé Gata. Bon, pour l'instant, ça lague pas. Contrairement aux autres games d'avant. Qui, je pense, je ne pourrais pas mettre du coup dans cette vidéo. Clairement, parce que les games, elles étaient horribles. Elles étaient horribles. Entre les cheaters, les laggers. Ok. J'ai la verte. Il la esquive, la verte. Il la esquive. Ok. Attention. Ok. Gatai contre Gatai. Ok. Forcément. J'ai pas pu esquiver. Tout va bien. Donc là, on va essayer de lui faire mal. Ah. Ich. Voilà, c'est bon. Allez. À mon tour maintenant. Ça se passe bien. Encore. Voilà. On va soigner. Ça, c'est bien, ça. Comme ça, ça soigne mon Gatai. Très bien. Je peux faire l'aspect là-dessus. Hein. Voilà. Ouf. Ça lui a fait mal. Hein. La verte là-dessus, intéressante. Ok, il switch pas. Bon, je rising rush là-dessus, je me pose pas de questions. Allez. Espérons que ça passe. Franchement, Gatai, pour l'instant, ça frappe fort. Hein. 2 étoiles. Hein. Bien évidemment, il contre. Ah non, mais franchement, non. Voilà. Elle esquive. Voilà. Bon, c'est pas grave. Au moins, du coup, maintenant, mes persos sont boostés avec la mort de Gatai. Mais voilà, quoi. Il a contré Rising Rush et il fait une remontada avec le Rising Rush, quoi. Allez, let's go. Encaisse-moi ça. Ok. Allez. Une strike. 2 strikes, couché panier, merci, au revoir. Incroyable. Allez, hop, toi t'avais contré, du coup t'es mort maintenant. Allez, bim, voilà. Regardez le VB maintenant comment il frappe, hein. C'est ça, hein. Et oui, c'est fini. C'est fini. Et oui, monsieur, tu contre le Rising Rush. Mais derrière, après, ça y est, il n'y a plus personne. Non, mais là, voilà. Vous voyez, c'est que même quand tu perds Gatai, et bah du coup, Gatai fout 30% de bonus, justement, à tes persos. Sans compter que mon VB, là, il a également la cape Zenkai du Goku Blue Zenkai. Donc là, ça commence à cogner assez sévèrement, tu vois. Franchement, c'était également intéressant parce que là, l'adversaire avait contré Rising Rush et commencé une remontada. Mais du coup, il a perdu. Ouf, grosse team Saiyan avec du Zenkai en face. Hein. On va rester pareil, nous, hein, Vados, du VB et du Gatai. Voilà, ça va chier des bulles carrées. Là. Allez, faut se concentrer. Ok. Ça passe. Je pensais qu'il allait mettre le Goku SJ3, tu vois. Ok, très bien. Ok. Ok. Bon, après, les Dragon Ball, hein. Tant qu'à faire. Voilà, hein.
Let's go. Ok. Bien, wesh là-dessus. Ok, là il a mis le Goku. La cover. Bim. Bam. Gatai. Allez, c'est un Zenkai en face. Est-ce que ça peut one-shot? Je teste. Est-ce que ça peut one-shot? 2 100, 197 000. 2 197 000 de PV. Ça one-shot ou pas? Si ça one-shot, c'est incroyable. Oh, on était pas loin du one-shot. Oh, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais... incroyable. C'est un perso à 2 étoiles. Et bim, du coup, il est mort. C'est un perso à 2 étoiles face à du Zenkai. Oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs. Ok, bah voilà, bah, il a pas apprécié. Il a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié l'attaque ultime de Gatai Zamasu sur son Goku SSJ 3 Zenkai. Mais la violence, oh, oh la violence. Donc voilà, c'est un perso qui a pas énormément de défense, mais quand tu le ramènes pour frapper, c'est incroyable. Et encore, j'ai testé comme ça, parce que en vrai de vrai, j'avais des strikes et tout, j'aurais pu continuer encore un petit peu, mais c'était pour vous montrer dans la vidéo, face à un Goku SSJ 3 Zenkai, voilà, c'était l'opportunité de tester, voir si ça allait one-shot ou pas, ça a fait quasiment 2 millions de dégâts, pas contre type ou quoi, moi, type rouge, face à du type violet, vraiment incroyable. Alors, Team Divin également en face, il a également du Gatai, il a le VB, tout ça, bon, je vais rester... comme je fais, voilà, Vados, VB, Gatai, c'est un bon roulement, ça fonctionne bien depuis tout à l'heure, donc on va rester comme ça. Allez, c'est parti. Ça passe. Ok. Donc, faut faire attention à ce VB, là. Voilà, vous voyez, la défense de Gatai. Il s'est pris deux blasts, il est déjà aux fraises. Hein. Il est déjà aux fraises, son Gatai. Face à VB de type bleu, c'est pas la peine. Ok, pas mal joué. Pas mal joué ça. Très bien. Tout comme mon Gatai là, voilà, il est en train de manger. Hein. Il est en train de manger. Bon, pour l'instant ça va. On rappelle, il y a du soin avec le main au cas où. Bah, par contre là, va falloir que je switch parce que sinon je le perds. Donc c'est pas le but de le perdre là-dessus, même si jamais il booste les autres persos. Faut que je vous montre un petit peu ce que ça vaut quand même Gatai dans la vidéo. Ok, voilà, maintenant, elle redonne du soin. C'est pour ça qu'elle est intéressante à jouer Vados, hein, dans la Team Divin. Je le rappelle, l'un des meilleurs supports du jeu. Parfait, ça. On a bien tempo. Là-dessus. Très bien, très bien. L'armée Gatai. Bon, par contre, si je le touche, il est mort, hein, clairement. Il s'est soigné, mais si je le touche, ça va chialer. Hein. Ok, il a fait sa verte. Très bien joué de sa part. Mais voilà, ça, VB, il encaisse. Voilà. VB, c'est le vaccin de Gatai. VB, clairement, c'est le vaccin de Gatai. Par contre, là, j'ai que des strikes, ça m'embête un peu. Et ouais, et ouais. Et ouais, elle m'a bloqué, du coup. Ok. Vados. Et du coup, le Rising Rush. Je vais mettre la strike. Allez, si je le contre... Et je le contre. Allez, je fais pas de Rising Rush dans la game. Je fais pas de Rising Rush. Allez, let's go. On est un bonhomme, nous. Il est bien, là. Il est quasiment full life partout. Let's go. Let's go. Comme je l'ai contré, je vais la jouer clean. Parce que la game, elle est intéressante. On est Team Divin contre Team Divin. Bon, par contre, me fais pas un deuxième Rising Rush après. Par contre, si jamais... si jamais il y a... T'as l'occasion. Oh là là, encore la cover. Très bien. Allez, je vais pas faire de Rising Rush dans cette game. Après, si je la perds, je la perds. Mais au moins, j'aurais joué le bonhomme. Parfait, ça. Ouf. Ok. Let's go. Bon, bah là, ça va faire mal. Il met le VB. Normalement, ça tue. Normalement, ça tue. C'est 2 étoiles. Gatai, 2 étoiles. 2 étoiles seulement. Voilà, boum. Ça dégage. Parfait, on a bien tempo. Pff, oh, les dégâts de la blast. Oh, les dégâts de la blast, et c'est un perso strike, hein, je le rappelle. Hein. Ok. On va tanker. Enfin, tanker, c'est un grand mot, mais on va encaisser avec le VB.
Vu que de toute façon, on a le soin. Voilà, maintenant. Voilà, on a le soin du main. Et là, et là, et là. J'ai pas pu esquiver, dommage. Il va tanker, il va tanker. Bon voilà, frérot. Bon, il a pas quitté, yes. Yes. Eh les gars, sans Rising Rush, ok. Franchement, je vais jouer vraiment très propre. J'ai contré son Rising Rush, j'en ai parfait un. Et en plus, je le finis en Legendary Finish, ok. Voilà, par contre, il a été fair play parce qu'il m'a laissé son LF. Vu que j'ai pas Rising Rush, je pense qu'il a laissé du coup l'animation LF. Voilà, franchement, la Team Divin là, VB, Gatai, Vados, c'est fort, c'est très fort. C'est très fort. Et encore une fois, on a pu voir un Gatai Zamasu qui a éclaté avec son ultime, le VB de type violet. Franchement, c'est vraiment très très fort. Ok, une team fusion en face avec du Gogeta SJ4. On va rester pareil avec Vados, Gatai et VB. Va falloir faire attention. Parce que là, il y a le Gogeta Zenkai quand même en face. Il a des bons équipements en plus. Il a le Gogeta SJ4. Let's go. Allez, attention. Ah purée, putain, il m'a mis des grosses tempos là. Ok, donc voilà, Gogeta il fait mal. Ok, il a pas remis de strike. Très bien. Ok. Let's go. Allez. Ok. Oh non. Oh non, mais ça lag. Oh, ça y est, ça va recommencer. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Franchement, non. Non, non. Là, le mec, là, il voit qu'il est dans le mal. Non, oh, les frères, non, c'est trop. Là, j'en ai eu plein des games comme ça que je pourrais même pas toutes les mettre. Du coup, dans la vidéo. Ouais, bah, il a le temps de l'avoir arrivé, la strike, hein, pour mettre la cover. Oh non, regardez. Tu veux faire quoi? Dis-moi, voilà, connexion instable. Oh, deuxième connexion instable. Alors attends, c'est un bot ou pas maintenant? Est-ce que c'est un bot maintenant? C'est peut-être un bot maintenant. Ok. Bon, je vais faire direct l'ultime. J'aurais pu faire la verte et l'ultime, mais bon, on s'en fout. Maintenant que c'est devenu un bot, mais c'est horrible. C'est horrible de jouer dans des conditions comme ça. Franchement, c'est horrible. Poum! Allez, ça dégage. Vous avez vu un Gatai, hein, dans toute sa splendeur. Très bien. On recommence. Bim, on va Rising Rush. Voilà, let's go. Allez, bon. Normalement, c'est un bot. Donc là, c'est bon, ça va tuer, mais... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les lags. Quoi? Quoi? Le bot, il m'a contré, frère. C'est un bot ou pas, là, du coup? Je dis c'est un bot, ça se trouve, c'est même pas un bot. Oh, attends. On va faire attention, là. Parce que là, j'ai pris ça à la légère, mais... il m'a contré Rising Rush. C'est pas souvent qu'on voit. Ah ouais, d'accord. Ok, donc non, c'est bien un bot, la façon qu'il joue, là. C'est bien un bot. Il fonce comme ça... Ok. Ok. Non mais là, franchement, il y a plus de respect. Je me fais contrer mon Rising Rush même par un bot. Alors là, c'est quand même incroyable. Et Gatai Zamasu, 2 étoiles hein, face à du Gogeta Zenkai. On peut voir que ça fait des dégâts. Hein. Ah oui, ouais, forcément, le fameux move du bot, là. Ok. Ok, bim, ça fout le camp. Let's go. Et let's go, allez. Pouh, incroyable, franchement, y a eu des games, les amis. Je vous les mettrai pas, mais on est tombé sur un cheater, voilà, qui a laissé perso à 1, level 1, tu vois. Du coup, on connaît, match nul, tout ça. Après, on est tombé sur des mecs qui ont lagué et tout. Bon, je vous mettrai pas toutes les games, je vais vous mettre celles qui étaient intéressantes. Mais en soi,
En soi, ce qu'on peut retenir, c'est que le Gata Isamasu est vraiment très très fort. Prenez en considération que c'est un perso 2 étoiles seulement. D'accord ? Vous avez vu comment ça frappe contre du Zenkai. Je me souviens également à un combat, hein, je vous mettrai, contre le Goku SSJ3 Zenkai Violet. Son main, avec son ultime, a failli le one-shot. Quasiment 2 millions, tout ça. Et là, encore une fois, on a pu le voir, ça fait vraiment très mal. Il est seulement 2 étoiles, et j'imagine même pas ceux qui vont l'avoir à 6, 7 étoiles, etc. Pff, ça doit être une frappe atomique. Donc voilà, ça pêche au niveau de la défense, mais en soi, heureusement. J'ai envie de vous dire que ça pêche au niveau de la défense, sinon ça serait un truc de ouf. Je trouve que ça, voilà, ça se déroulait bien, les combats, avec Vados, VB, et Gatai Zamasu. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo, les amis. Max de pouces bleus. N'hésitez pas également à la partager, à réagir en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!